Banakin, salutations, on a bien vos branché connecté dans Congo Dialogue. Et ça vraiment un réel plaisir. Il y a Rosa Libosa Bampaka, bato ba pesi bino gou. Il y a aussi la master cérémonie na Kati Afrique du Sud. OP azal wala modèle na yo na Kati ya média. C'est vraiment un privilège. C'est rare de l'avoir. Mais à fois tambola ratro. Maman Francine ngeme de la Belgique, papa boss Bangila. Yeyo. Eli na nga yeyo. Lem souba te me bolo azal arabo ende ni don Eli le yo biso tous a belisé. Pour moi, c'est un privilège ya mba yo. Papa boss, boni. Bien, José Boloua. Donc, Yene Bozomone Boye, c'est sans commentaire. Donc, c'est un monument. Le Lobo, c'est la fierté média congolais en Afrique du Sud. Parmi mes privilégiés, donc, c'est-à-dire, ceux qui n'ont pas de bateau, on a CP, on a Lela, confiance, un intellectuel, un beau gars, un homme présentable, un homme qui parle bien et qui sait bien articuler ma solo naya média. Donc, sans commentaire. C'est mon préféré. Wana na tikeli binoyé. Moi bi que depuis masola modié bani parce que ba 10 ans ngo ba 15 ans ngo to koti to landio na masolo na to vana na plateau té. Bon, to fanda té po yo visite, yo occupé, oluga ba to mususu occupé. Yo ne ba 4 heures à vol, ba 8 heures à vol né le Kyoto. Té mi kolo to to na ba 10 heures à vol. Mi kolo to pe minano. Vraiment très ravi, na ne songa makasa, na makuti lo na robanda. Mais ba to ba bi papa bosté. Masola Media, Papa Bossazanani. Non, Papa Boss, c'est un monsieur ordinaire, simple, né Bozomonawana, très simple, n'est-ce pas que mon simple. Ah, Bangkungo, je pense. Tu es un blog ordinaire. Malili Gaga. Malili Gaga, tu es protégé. Pour y faire les bandits déjà. Et puis, à toi, na Cape Town, na Koutillé, na Katia Cape Town. Donc, il y a un oiseau voyageur, à peu raté. Mais, Mikolo, il y a un peu de temps, il y a un peu de terrain. Bisika matambe na biso nyati pesa meli biso tsa zabo ki pesa meli yo se bolo ma beza. Alors papa boss c'est un homme ordinaire, il est journaliste professionnel comme je le dis et puis je suis aussi le président de l'Union de la presse congolaise en Afrique du Sud. Alors kozala pembe na batune tibango nde toza na moi énergie. Voilà. Vous comprenez pourquoi ça simple président de l'Union de la presse congolaise en Afrique du Sud mais azo promouvoir biso tous a vraiment ravi pe humble le to ba na katia Congo mais selon ko tena ndeni papa boss na katia media qu'est-ce qui vous a motivé à recoter na katia media? Non, papa boss a une longue histoire. Papa boss c'est d'abord un fils d'un journaliste père et d'une journaliste mère. C'est vrai ça? Ah, pour ceux là qui ne le savent pas, papa boss son papa c'est papa Théo Kalenga, pour ceux là qui connaissent bien Lubumbashi, la voix de la fraternité, c'était la première radio privée à Lubumbashi, qui avait été créé par mon père. Alors, à Lubumbashi, pour ceux-là qui connaissent bien Lubumbashi, s'il y a eu une première radio privée, c'était la radio créée par mon père. Alors, à l'époque, il était le directeur général d'une chaîne nationale, mais après, il a aussi créé la Voix de la Fraternité. Et tous les géants de médias qui connaissent bien, à l'époque, il y a Bavieux, Sakho Mbinongo, Banani, c'était ses amis personnels et privés. Bavieux, Mutombo, Wakafwa Senda, qui avait travaillé avec Mobutu dans le gouvernement, ministère à Mine Énergie, Wana ba papa Nabiso, Batoyo, Babete Nabiso Masolo, parce que notre père est décédé pendant qu'on était encore trop enfant, d'accident de véhicule à Lubumbashi. Sobeti Lisolo, il y a Théo Kalenga dans Lubumbashi. Tous les anciens chauffeurs qui parquent leur voiture au niveau, il y a Poste, il y a Lubumbashi, tous les géants qui sont dans des entreprises, papa, nous sommes à Bayebi, oh, vous êtes des enfants de Théo Kalenga. Non, 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 celui-là, c'est un monument. Donc, c'est de ces papas-là que nous sommes fils. Et notre maman, à l'époque où papa était directeur de la radio et la télévision nationale congolaise, notre maman était speakerine à la radio et à la télévision. Appelez-moi ce combo speakerine. Oui, maman Monique Luendu. Donc, Obino Boyibika, maman Oba Bazalaki, quoi annoncer. Non, non, maintenant là, nous venons de terminer ce programme. Maintenant, nous entamons un autre programme. Ma mère était speakerine. Alors, après ça, elle a commencé à aller plus loin dans des informations en langue. Quand papa est décédé, maman a été récupérée à la télévision nationale congolaise, à l'époque La Voix du Zaïre, à Kinshasa, dans le journal en langue. Elle présentait le journal en Chiluba. Pour ceux-là qui me suivent, ce que Talimi Sunangana Zoro Nangawoyo, tu peux reconnaître maman Monique Luendu, qui présentait des formations en Chiluba à la télévision nationale. Et après ça, nous avons eu le goût, avec mon jeune frère Aimé Kalenga, qui a créé la radio-télé évangélique africaine à Lubumbashi, RTVA en sigle, qui était aussi la première chaîne privée
chrétienne à Lubumbashi, à part la RTNC. Bah, chaîne Nyonsoya qui après, bah, Mwangaza, bah, Nyota, bah, RTIV, bah, Lambalamba, RTV, bah, et y a qui après. Mais la première chaîne chrétienne privée à Lubumbashi, à part la RTNC, c'était la RTV avec mon jeune frère Aimé Kalenga. À l'époque, c'est le papa Sakombi Inongo qui nous avait aidé à avoir l'antenne, à avoir la fréquence et à placer. Alors, bien, non, ça, je dois le faire pour honorer le souvenir de votre père. Et à l'époque, nous avons fait l'IFASIC. Et après l'IFASIC, il y a eu une formation. À l'époque, c'est nous qui avons terminé avec les bourses d'études. Parce que nous avons eu la bourse en dernière minute. Après notre promotion, on a été sur la bourse à la Galissos. Alors nous sommes allés faire une spécialisation dans les ondes stationnaires et dans la communication internationale au niveau de l'ITL en Italie. Pour vous qui connaissez bien ITL, ou cliquez, ou comment on a ITEL. Et on parlait des ondes stationnaires. Peut-être que Zonga, nous avons été récupérés, Nara Telsat. Nous sommes de la promotion avec le Blaise Boula, ingénieur Blaise Boula. Nous avons terminé avec lui. C'est vrai ça. Alors c'est nous, avec Faner, à l'époque, qui avons placé la climatisation à la RTNC. Alors à l'époque, lui avait fait l'électromécanique à l'ISTA. Et Tukota Kipel Susista, lui, il est de ma promotion. Et après ça, nous avons fait le Ratelsat pour faire la télécommunication. Et voilà, nous avons fait des tests à la RTNC, ainsi de suite. C'est cela qui nous a valu ce que nous avons aujourd'hui comme orientation. Et le Lobo Yo nous appelle, quand je dis journaliste professionnel, quand vous comprenez le parcours, je crois qu'il n'y a même pas... Non, sinon, franchement parlant, il y a tant d'autres personnes qui n'ont pas pu savoir qui est Papa Boss. On les voit seulement dans les animations culturelles, dans des concerts, tout ça. Et déjà bon. Comme le Maman Rose Lucano de Télé Mwangaza à Lubumbashi, Maman Chantal Kanimbo, bien connue, Maman qui était... Maman Nicole Dibambou, qui était DG à RTNC, à ta promotion, d'être aussi le Sanabamola. Tu connais pas, oui. Mais il y en a encore ma DGT. Là, je salue tous mes collègues et toutes mes collègues. Donc, en bref, je salue aussi le DG de la RTNC, que je respecte beaucoup, Ernest Kabila, qui continue toujours à nous faire confiance. Voilà. Et ce qui est vrai, c'est que nous signons aux téléspectateurs que vous êtes représentant officiel de la RTNC en Afrique du Sud. Officiellement, d'une manière officielle, avec une accréditation qui avait été signée par Maman Nicole Dibambou en tant que DG, bisoto libre administratif et RTNC. Oui, casque, on a casquette, on a peiné le gueule, on a pas de problème dans l'Afrique du Sud. Non, il y a qu'un angle, mais je leur disais que RTNC, c'est une chaîne nationale. À la RTNC, il y a des émissions chrétiennes, il y a des émissions culturelles, il y a des émissions politiques. Nous sommes dans culture et art, c'est tout. Parce que je me rappelle, il y avait un concert dans Kata Johannesburg, il fallait que vous puissiez animer cela. Ah, vous avez pu dire que non, je suis représentant de la RTNC dans Kata Afrique du Sud. Tant qu'on m'a dit si artiste, on a expliqué, on a deux questions. D'abord, un, là où ils sont, beaucoup de salutations à combattre. Les combattants de Bassara Bissotozala. C'est-à-dire à Mayelete. Les lobes aussi, nous avons le changement au niveau du pays. Que non, Toti Penza Kabila, on a moins pression, moins mot Toti Kabila Penza, et Toti bien que Sokinde Genin. Diaspora est joué rôle Makassi. Donc, celui qui ne reconnaît pas la valeur des combattants, les lobes, commet une erreur. C'est les combattants qui ont joué un rôle. S'il y a un changement aujourd'hui, même le président aujourd'hui qui est à la tête du Congo, Ayebi, que c'est grâce. C'est la force. La force des combattants. Donc, ma combattant n'est pas nécessaire. Grâce à Bangonde le Loboye, ma solo est au fond de la normale. Donc, c'est le mot où il y a un combattant. Qui est le combattant? Voilà. On en parlera. Bien sûr, je vais quand même rôle P. Je continue toujours le rôle qui vraiment important. Pour aller là, ceux qui alternent, c'est bien la même alternance. Je pense que si, donc, ni mon organisation, mon combattant en Afrique du Sud, surtout dans le Cap, dans le Bélé, on a un bon sanité katakata, un homme sage, un homme mature, dans les liens forts, avec tout son gouvernement, Pembeni Naye. Respect. Vous avez dit que 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 vous avez respect. Voilà, respect Nabino, Al-Qaïda, respect Nabino, ingénieur Papi Soukami, il y a KFFF, donc respect Nabino tout, parce que les lots qui alternent, c'est ça qui basculait, push qui alternent, c'est ça, Congo, à cause d'avant, il y a résistance, il y a combé, salami Libanais dans la diaspora, non seulement en Afrique du Sud, dans Londres et puis partout ailleurs. Oui, mais ça, c'est sans commentaire. C'est connu et reconnu par tout le monde que nous tous, parce que surtout à l'étranger, nous on ne se met pas à l'écart, on dit non, nous tous, chacun combat à sa manière. Il y en a qui combattent avec des lettres, il y en a qui combattent avec des idéologies, il y en a qui combattent avec des actes, il y en a qui combattent avec des organisations, il y en a qui combattent avec des pressions, c'est-à-dire nous tous,
nous avons voulu que notre Congo aujourd'hui ait sa biso couleur asika. Donc les loboyé, mais il y a une catégorie de gens. Bango de sikoba pesa ki énergie makasi na mosalango. Oto benga ki pesa ba combattant ba résistant. Mais c'est grâce à eux que nous avons ce changement. Nous devons leur reconnaître le mérite. Yango na zoro ba toujours que non, nous reconnaissons tous les efforts de nos bien-aimés combattants, les loboyé. Nous avons vu un Congo qui commence à aller vers la démocratie. C'est grâce au travail des titans abattus par les combattants. C'était une parenthèse pour saluer et puis reconnaître le grand travail qu'ils ont fait. D'une manière ou d'une autre, il y a de ceux-là qui insultent, il y a de ceux-là qui sont sur le terrain, il y a de ceux-là qui font les combats d'une manière ou d'une autre. Mais surtout, on a bien le pendant une émission, tout cela, moi, perceptive, moko boy sur les médias, les bandanais, parce qu'ils ont un peu à cheval. Tantôt à Kinshasa, tantôt en Afrique du Sud, tantôt en Angola, tantôt na RD Brazzaville, na Congo Brazzaville, aux Awa. Parcours en Oyo Salili, Tilelo Oyo, Masola Media en Oyo, Zana Nengebino Boyekole, la Kiangoto Lelo, et puis na Bamon Internet, et Koti Lelo Oyo. Je ne sais pas comment tu lis cela. Bon, d'abord, hein, je salue et je félicite tout le monde qui fait le média en Afrique du Sud. Yes. Donc, vous avez ma salutation et vous avez mon respect. Alors, parce que la boy, oh non, mon colonna, président et journaliste, Rajim Aloba, à reconnaître Bissoté. Non. Moi, je vous reconnais et je vous félicite et je vous dis grand merci pour nous, Moussala Bossala, parce que nous nous complétons, nous tous. Heure Congo Mikilibanda qui. Avec le représentant Alain Matundu na Djobo, mais on oubliait que même la presse écrite, c'est le média le plus fort aussi. Hein? Nous avons fait vivre ça avec la percée qui écrivait à l'époque, qui se battait, tout ça. Donc c'est pour vous dire simplement que tout le monde qui fait le média, moi je le considère et je le respecte. Alors, dans le média, il y a aussi des normes qu'il faut suivre. Vous comprenez? Il y a un principe. Un homme de médias. Oui. Alors, le média, aujourd'hui, nous nous tenons à dire quelque chose peut-être qui peut aider plusieurs. Vous savez que nous devons faire la différence entre quelqu'un qui se lance dans le média et le journaliste. Différence entre un animateur culturel, un journaliste, un présentateur, un atalakou médiatique. Non, vous savez... Avant tout, je tiens à dire que toutes les catégories que vous avez citées là, je peux dire un chroniqueur de la musique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui doit être passé par une formation de médias d'abord, et après il a choisi l'option chronique musicale. Un journaliste, c'est d'abord celui qui présente le journal. Un présentateur d'une émission n'est pas d'office un journaliste. Donc ce sont des différences qu'il faut faire au fur et à mesure que tu as évolué dans ma solo. On monte à côté, oh grand journaliste, bon, on dit ouais, c'est normal. Peut-être aux acteurs animateurs, il y a émission, bon, voilà, tu vois un peu ça. Mais ça, je n'entre pas dans le sujet, il y a pas de quoi expliquer ma solo. Mais ce on a pas qu'une courte, pas qu'une baie facile, pas qu'une baie unie, ça, tout ça, baie cola bien, mais pour baser définir. Attends, ce qui va baser pembe ni naio, au coup peut-être ça va éthique ou honnête. Les combattants qui coulent tout, baso lingande koyo kali susuté. Donc azu micro a tiré très bien, c'est même un grand journaliste. Non. Tu vois, et puis quand on se voit qu'on a bloqué, on a contenu, on a formé les bandes à ma soeur. Et il y a quand on a toujours pensé qu'on a conseillé, kaka, on a approché, on a tenu Tima Bino. Attention. Tima Bino, pense. Tima Bino, boyo, tu as déjà dans moi. Vous comprenez? Alors, c'est pour dire simplement que non, le média aujourd'hui, ils ont une déontologie. Tu vois un peu ça. Ils ont dit, le loboyo, tu présentes ton micro à quelqu'un, tu dois structurer ta matière. Il faut y avoir. Il y a l'introduction, il y a le développement, il y a la conclusion. Bon, mais au moins on a aussi mis micro au bandit la question, moi quoi, bakuta déjà na case de développement. Oh, mais ça oui, tout n'anga na besoin que son avis, mais tout manana na debit. Comment aussi au bandit n'anga na kati kati. Oh, c'est contre la déontologie de médias. Et puis un homme de médias, c'est un rassembleur, c'est un formateur, c'est un homme qui est au milieu du village. Voyez un peu ça. Aujourd'hui, vous voyez, on peut vous dire que nous étions moko ekoyi côté à Woodstock et Barenzela. Batubakufi. Mutumuswa ibisho ke non, ya ya mokobo mutuwazai kokata nzete wa nakachango mabe ekweyi. Mutumuswa ibisho ke non, mupepe, esala ki makasi kota Woodstock ekweyi si nzete wana. Alors yo journaliste ko beta masolobi, bete late, kende shuko yo, se renseigne bien, tu peux dire aux gens, nzete moko ekweyi ya ki na Woodstock. Pour certaines sources, quelqu'un
est en train de couper ça et quoi il est dans cela. Batumso balobi mu pepe moko bozala ki wana boyende ko ici c'était wana. Mais dans les jours qui viennent ou bien dans les heures qui viennent, nous allons vous donner la précision parce que nous allons descendre sur le lieu pour avoir l'information originale. C'est ça. Alors toi tu ne peux pas commencer à dire hein, c'était wana quoi boyé. Je vous informe que non, il y a moko ça ko kata, mais ce qui après oyé quoi prendre que non zaki mu pepe. Tu as donné une fausse information. Alors, on a éthique, il y a journalisme, il y a moto média, et quoi. Tu vois, or, moto maïla, nous avons appris. Nous allons vérifier et nous allons vous informer ce qui est vrai. Voilà, on a, je crois ce sont des termes qu'il faut quand même. Il semblerait que, il paraîtrait que, selon les rapports que nous avons reçus, voilà ABCD. Mais bat bakot ka lelo balamu ki la wasimbi micro vraiment nazo ibisabino ninge ça passe si penande nzete on ebomi batu donc affirmer pas confirmer likambo a cause même sur le terrain lelo tozana ngana kolutu tozo nouvelle ya le kinabiso de konabiso otiko kufa en pleine prestation na quatre églises yangweza moka ba raison bolwa kiti sur le terrain nazo ba information o eza vrai na ba image to balancer ngana na ba mission to salisima pona ozo akufi ndenge nini pito yeba nini puis c'est un dossier à suivre le zo singement enquête salama. Au salima banquette, ça pose une ma preuve est tangible présentée dans les médias. Mais le, les abonnés ont été confisés au quotidien. Non, non, on m'a dit d'abord un, mes condoléances à la famille. Ou dans un équilibre qui n'en a propre. Ce qui est ça m'a dérangé sérieusement quand j'ai appris ça. Et, petit Wana, je me souviens, il y a 10 ans, j'ai fait avec lui une émission à Cape Town. Petit Ayapé Djobour à Lukanga, Tosolola et Belé. Donc, je me souviens lorsqu'on allait jouer. Et on allait voir le match, la finale de Léopard contre le Sénégal, na Durban. Il y avait pendant, c'était la demi-finale plutôt. On a voyagé de Johannesburg, on a pris les bus qui devaient nous amener à Cape Town et à Durban plutôt. Petit Nazaginae, Petit Nasaleba interview. Un petit courageux, très calme, très intelligent dans Masolo Media. À côté qui peut Masolo, Abina Ngaï vieux, n'allez qui n'abino na côté Masolo. Et nous l'avons beaucoup aidé. C'est un garçon qui avait de l'avenir. Et l'élément que j'avais fait avec lui à Cape Town il y a très longtemps, beaucoup d'années passées, je l'ai découvert aussi comme un chantre. Puis tu vois, je vais fouiller un peu dans ma archive, si je peux retrouver ça, je ne sais même plus. Donc quand j'ai appris qu'il a chanté, et sur le podium, il est mort, moi, malaise, je suis accueilli. Ça m'a beaucoup dérangé. Ça doit aussi nous interpeller parce que nous ne savons pas quand est-ce que la mort peut nous surprendre. Mais paix à son âme, toutes nos condoléances à toute la famille chrétienne de Cape Town et de l'Afrique du Sud en général, toute la famille congolaise, la famille de la presse aussi, et tous ceux-là qui l'avaient servi de loin ou de près, et pleurons tous ce jeune homme. Et vraiment, encore une fois, que son âme repose en paix. Voilà. Que son âme repose en paix, notre bien-aimé Junior Lukumona, qui vient de nous laisser à une mort tragique, comme le papa Wembala, comme le pasteur Yanguma, tout ça, Bakoufi Nakata Moussala, ou Nzambe Abengela et Bakubasala. Papa Boss, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit en Afrique du Sud. Lecture, il y a médias dans le Congo, dans la lecture Afrique du Sud. Vous avez dit que nous avons dit. Non, non, vous savez que d'abord au niveau du Congo, le média, les gens se débrouillent, hein? Pas mal mais bien. Se débrouillent. Il y a beaucoup de chaînes qui sont nées aujourd'hui. Mais ce que j'ai aimé au Congo, il y a à la télévision beaucoup de jeunes gens qui sont là-bas, les jeunes filles, les jeunes garçons, plusieurs viennent de l'IFASIC, c'est-à-dire ils sont venus. Il n'y a plus que l'IFASIC qui forme les journalistes au Congo. Il y a aussi d'autres écoles privées qui donnent aussi l'opportunité à certaines personnes de faire le média. J'ai vu qu'il y a beaucoup de chaînes de télévision, de chaînes de télévision privées. Il y a beaucoup de jeunes gens qui travaillent très bien et qui... Bon. Mais sauf que, et l'homme on a constaté, on a fait un peu de ça. Surtout dans ma prononciation. Oui, la maman, la papa. Nous allons écouter la chanson Quelqu'un qui était sauvé par Jésus. Jésus. Tu vois un peu, c'est bon, on a écouté un peu de la kin, Bolim Sanga. Oui, tu vois, Jésus, oh, les cœurs. J'ai compris que tu vois, cet élément que nous allons balancer, ça va toucher les cœurs. Voilà, Biloko, on a écouté un peu de la kin. Alors, j'ai un peu regretté, je me suis dit.
peut-être les professeurs actuels ne mettent plus beaucoup d'accent à Bilokwana. Il y avait encore des petites choses du genre, ce qu'on prononçait Mabé, professeur qui te dit non, tu as zéro. Pourquoi tu peux dire... Mais le cours là, c'est l'introduction à la linguistique. L'introduction à la linguistique. Donc, on a peine à prononciation, il faut venir. Je vais te dire le nom de mon père. Hein, tu vois un peu ça. Menaki nazo kotango na télévision est belé. Le nom de mon père. Mon père, tu vois un peu ça. Alors, bilo anengwana. Et mon autre ami comme il tourne, ben, les loboyé, enseignement et kewapi. Alors, mais à part ça, tu sens que bazana balingi média. Mais on dirait que bango bazolinga média, mais média. Bon, mais voilà. Mais de toutes les manières, bazo avancer na bango bien. Mais il y a aussi. On a quand même de belles images. Et puis quand ma chaîne soit privée, là, au moins. Mais il y a des gens très, très sérieux, hein, très, très bien, qui font du très bon travail, que j'ai vu, que ce soit à Biwan. Là, je salue tous mes amis de Biwan. Sérieusement. Wana Penza a salué Penza. PM, donc, Papi Boma. Wana Penza, Moutmanga Kati. Wana soit allé là, on a une émission normale. Wana la bonne sanité. Toute l'équipe. Toute l'équipe. On a un bon miyebi. Vous comprenez, Bamika, Bazawana. Donc, Biwan. Alors, beaucoup de chaînes, Netibantena, Batoazali, Bele, Bajing, Nawej, qui présentent bien leurs émissions dans mode de mœurs. Donc, il y a beaucoup de gens. Bajan Simpo, Isoké, Africa TV. Donc, c'est bon. C'est-à-dire, il y a aussi des gens qui font la fierté de médias au niveau du Congo et nous les encourageons et ça passe bien. Une chose que nous déplorons, et ça peut-être moi, ma génération n'a bien nous sont apparemment bonnes côté Kalisangote. D'abord, quand on a ceux qui n'ont RTNC, donc ma vie on a depuis Bozawan Nagaga. Moi, mouké, bah, comme plus dans ma production, on est comme dans mes en production, qu'on promouvoir quand même moi nouvelle génération. Mais ce que Bozo Kanga, ce que ma diplômé, belé, bah, ou t'as effacé, n'a pas centré, monsieur journaliste. Mais, bah, ce que vous avez dit, parce que Bino, bah, vie, Bozawan. On était quelque part après ça, là, bien. Je suis, voilà, Nassi, ça n'a pas été à Liboso, comme pour dire, tu m'avais dit, n'a comparé moi, média, n'a voilà, on est Yanassi. Le Congo, c'est bon, il se débrouille bien. Ici, tu sais que chacun pour soi. Donc nous n'avons pas droit aux médias, aux chaînes sud-africaines ici. Tu vois un peu ça, mais Baboule n'a pas été zoyaté. Alors, parce que et là, ils ont dit que Baboule est zoyaté. Baboule est zoyaté, Baboule est zoyaté. Un peu limité. Au fin du pays, au bimis, quand moi, il faut dire qu'on a sauté, il faut être comme on est silé. Tu vois un peu ça. Mais Hermoko Boye, nous pouvons nous dire, mais il faut écouter ce qu'on a sauté, il faut être. Et là, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Nous sommes dans un endroit où il y a des gens qui sortent, qui montent. Donc, c'est-à-dire, c'est un environnement un peu plus avancé. Alors, mais ce qui nous manque aussi chez nous, ici, c'est la créativité. Tout le monde veut faire le collaboratif. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Tu peux t'imaginer ce qui un journaliste congolais a zo kendekaka a sa émission kaka sur la culture namboko a kendekaka na ba ferme aluka ba mindele wana ba mindele wana ba sala kama solo ya ba culture ya ba élevage webi ki mtona kozo la rebelle ya makasi wana na pesi bino chaba idée boluka ka bato jaro wana bozo la po ba buru wana bo bana la mais yo fandika ko telemika kana coin bon yebisanga nano e nini wana boy po bolu wasala yango yepo sala ka loko la bolu wasala bo wana siko bo sala nini copycat siko copy conforme wana siko na ba domaine mususu ezo sanga mais quand tu vas au Congo tu vas trouver la diversité des émissions et ça marche très bien et puis c'est que moi je demande aussi à nos compatriotes d'ici émission pe ngambo yo bon. Plusieurs bakolo banabino non voilà ba émission na biso et yaka na émission na ngasala boy bon et yo le kawapi wana ndeke soto tona et le kaka wapi c'est comme moi kulutu onyati pe na place parce que nous autres on a essayé un peu de contacter nos amis na niveau Congo kuna bon avec le vent de combat qui était là il y a 4 à 5 ans passé et comme un peu moi freinage ba émission na bino soto to le qui sont côté c'est comme si boyamba batumba ba kofinga. Comprenez exactement la résistance. Na habité ceux qui naval na yo parce que yo bima mingi okenda pekuna moi tolérance à nezala c'est pas tout le monde dans la salle d'émission à inviter ba tout ba finga ba insulte comme on le dit il y a de beaucoup de projets que nous pouvons faire ici on peut réaliser ça mais et wole kande non tinano de ça tinano non mais ça c'est simple je souhaite tu sais quoi même na Congo ba je me dis bazaka na ba place bazaka na ba espace na ba chaîne de télévision ba futa ba espace wana hein? Ah oui. Il n'y a aucun espace qu'on te donne. Pas un qu'on peut te donner gratuitement, non. Même ceux-là qui travaillent, qui ont des espaces au niveau de Kinshasa, au niveau du Congo, Lubumbashi, par-ci, par-là, ils payent pour leurs espaces. S'ils n'ont pas assez de moyens financiers pour faire ce paiement, ils peuvent solliciter le sponsoring.
Il y a l'entreprise Ebele Zawana, l'entreprise qui s'occupe de ceci, l'entreprise qui s'occupe de savon, qui s'occupe de la lotion. Ce que vous savez, bien, il y a des gens qui ont été sponsorisés. Il y a des publicité, qui ont été sponsorisés. Il y a des gens qui ont été en Afrique du Sud. Il faut un sponsor. Il faut un sponsor dans le Congo. Mais pour un sponsor dans le Congo, il faut d'abord les éléments qui ont la macassienne de maman dans le Congo. Ils ont la peine d'influence. Ouais, non, comme une entreprise, moi, dans le Congo, à l'objet, non, non, mais ces garçons présentent bien son émission. Alors, ton émission doit être structurée. Ce n'est pas bah, injure et au foot à terre. Ce qui va tout n'est pas injure ou en abo, bonjour, modèle et pas nani. Bon, le banin. Est-ce que bon, on a papa, boss président, il y a Union Presse, à ça, la commission à finir à battre. Bon, bien, ce que vous savez, l'émission, vous avez fini à battre. Bonjour, en haut et pas à tatan, abino, nani. Est-ce que le média, ce sont les injures? Nous sommes les éducateurs, les formateurs. Gardons cette déontologie, évoluons dans l'ordre. C'est très important. C'est très important. Branché connecté dans ton WP Congo Dialogue avec moi, José Bolois. Grand, grand merci à maman Francine Gueme de la Belgique. Nos papa boss, le président. Hein? Il y a Média Afrique du Sud. Tu as eu et penza by fire, by force. Donc, pour nous rejoindre, ils ont dit que je vais séjour, je vais pour un business. Lobby lobby kuta zozonga. Donc, je me dis, il faut nous jouer quand même dans la résidence Bissika, ni nous loger. Ah, ouais. Papa boss. Nous avons dit que 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 vous allez comprendre. O sepela nanga, ngana sepela na yo. Mwandambu ya yo na zwa. Mwandambu na ngai. Ya mingi kutu ni ya yo na zwa. Ngai, ngaza ka emble. Ngana zwa ebele pa na otu. Tu sais ce que j'ai pris chez toi? Le courage et la manière de percer. Tu comprends? Mwandambu pe ya ngai o zwa. C'est-à-dire quelque part, quelqu'un peut dire non, non, mais quand toi tu travailles, nous sentons que c'est un peu comme la continuité de papa boss. Yes. Moi, je suis fier de toi. Tu es un intellectuel. Tu es quelqu'un que j'ai appris à respecter depuis le premier jour que moi, je t'ai connu. Je reprends cette phrase. Tu es quelqu'un que j'ai appris à respecter depuis le premier jour que moi, je t'ai vu. Parce que tu as une chose en toi. Alors, le lobe, on a cause à la fière. Je suis dit que 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 je suis dit bah, plusieurs reprises, aux en Congo, d'ailleurs, aux en Congo, Brazzaville, bah, voilà. Bengi, au bino na Boloa, ils en a musala. Ben angai, bah, lobi, non, 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 papa, boss, il y en a même qui m'ont dit, oh, yo, vraiment, c'est toi. Bah, musuku tu bakeku tu musika koloba, oh, yo, kuto alika na yo. Quelque part, ça me fait la joie. C'est que moi, aujourd'hui, je peux dire, oezali métier ya makila. Ce qui n'a tiki ango, ezaniti, na bosani et bengeli nanga. Mais quand je vois les gens comme vous, à mes côtés, vous évoluez, j'ai les échos de ce que vous faites. Je suis dans la joie. Je me dis que j'ai fait mon travail. C'est tout. Donc ça dit, bah, quand les athées. Voilà, question à poser, des commentaires à faire. Vous voulez encore y revenir encore dans ce sujet entre le média évolution, média RDC en Afrique du Sud. Et puis, vraiment, je suis très, très instruit. Non, moi, je suis attente aux années, vraiment. Donc, bah, numéro un petit, quand vous avez un comme l'habitude. Les lois, non seulement les bosseurs à caméra, mais comme un peu plus dans la production, dans la fondation, dans la Kati. Vraiment, nous sommes fiers de vous. Tout le monde a quand même évolution. Hein? L'idée-là est venue comment? Non, non, vous savez que. Un homme de médias, c'est un homme intelligent. Un homme intelligent, c'est un homme qui peut créer. C'est-à-dire, Oyena Lisango Kotinga, Oyena Koyemba Penga, bien à Moyembi, Kotinga. Oh, c'est la soirée qu'appelle. Album Ezo Magalate. Ah oui, mais Magalate. Et moi, Fanny, tu crées, au lobby, non, non, voilà, bah, te belé, bah, c'est pas la moussa, l'ozo sala. Maintenant, nous sommes allés plus vers les femmes veuves. Et les enfants vivant avec l'anémie SS. Nous nous sommes dit que Batwana, mingi mingi, on les soigne toujours, mais tu apprendras que non, leurs soins, et Bazakata, comme il y a âge tel, il faut Kabaku Fakaka, Makile Silakabango, mais nous devons commencer à organiser les choses, du genre, de sorte que la même technologie qui est utilisée aux États-Unis pour ces enfants-là soit utilisée en Afrique. Parce que tu vas voir peut-être qu'aux États-Unis, un anémique SS peut vivre longtemps qu'un anémique SS en Afrique.
pourquoi en Afrique, il n'y a pas une organisation qui puisse les prendre en charge? Alors, nous sommes en train de voir cet aspect des choses. Une femme veuve, ce n'est pas une femme délaissée, ce n'est pas une femme abandonnée, ce n'est pas un objet. C'est quelqu'un qui peut encore vivre, on peut lui donner de l'amour et de la considération. Elle vivait avec un homme, mais son homme est mort. Alors cette femme-là doit sentir qu'elle est aimée, elle est soutenue. Qui peut le faire? Alors c'est ainsi que nous devons, nous lançons un appel, c'est ça même le but de notre fondation. Nous avons fait certaines actions avec ça et nous continuons à faire, nous croyons que ça va évoluer. Nous sommes dans la production, pour ceux-là qui connaissent bien Papa Boss et la maison Boss Production Mokili Mobimba, Obino Bapuyana Masolo, tous les musiciens chrétiens à l'époque, avant notre combat ici, Ebanda, qu'ils avaient la liberté de venir, par la grâce de Dieu, ils tombaient entre nos mains pour l'orientation des choses, les amener dans des églises, et pour la promotion, la, et ainsi de suite. Et ils faisaient des concerts, on était toujours là. Donc nous avons aidé tout le monde à venir, à travailler. Donc nous avons tellement travaillé dans ce sens-là qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement le média. Nous avons aussi ajouté autre chose, la fondation, et la maison de production. Et tout ça, c'est pour rendre le spectre. Moi, mon aîné était, mais seulement, ils ont continué. Papa Boss, avant de vous relâcher, qu'est-ce que vous regrettez quand vous regardez derrière, dans votre parcours médiatique? Non, non, je regrette seulement une chose. Je n'avais pas Christ avant. Et si j'avais Christ à l'époque, je pouvais encore être parti très loin. Mais aujourd'hui, j'ai Christ. Cela est plus que tout. Aimeriez-vous, aux Abanagitoko, Bazokola, Maman Guylaine, aimeriez-vous que parmi tes enfants, Basalam Salo Yosale? Ça a été toujours mon souhait et ma prière. Et pour ton information, ma deuxième fille, elle est déjà cotée et parmi les bonnes MC dans le milieu de la jeunesse et même d'autres concerts. Dernièrement, dans le concert de Lombongo, Lombongo, Okila, Lombo, Yael, Lord Lombo. Voilà, merci beaucoup, le pasteur. Et le choix était tombé sur elle, c'est elle qui est partie. Moi, je l'ai mis sur mon papa Boswana. Donc, quelque part, je reste avec elle à la maison. Je lui donne quelques exercices. Et je me dis, aujourd'hui, j'ai déjà fait avec elle quelques émissions sur le plateau. Elle est en train de suivre ce que je fais et elle aime ça. Et du point de vue production, mon fils, mon premier fils, parce que... Josué. Oui, oui, mon premier fils... Lui est déjà dans l'audiovisuel. Donc c'est le meilleur photographe, meilleur caméraman de l'église. Maintenant, il est invité dans beaucoup d'organisations, même d'autres organisations sud-africaines, quand on veut coter les gens qui font bien le média, et bien la caméra, bien le... Je suis en train de lui apprendre maintenant le montage vidéo. Donc il fait ma fierté. Dernièrement, il était reçu par les gens de SCBC pour qu'on puisse l'encadrer pour une publicité qu'il devait faire. Dans le compte de Coca-Cola ou quelque chose du genre. Donc, ça me plaît de voir que les enfants ont emboîté le pas de papa. Les lobos, ils n'ont pas regretté le côté. Je me dis que bah, non, les lobos, ils ne sont pas fous. Papa Boss Bangila, deux, trois, quatre conseils, deux ou trois conseils que tu peux donner, non seulement à tes enfants, mais à, vous, à ceux qui vous suivent. Kotina Mondango, ils s'embrient, ils cherchent la direction sur le plan médiatique. Non, non, c'est simple. Premier conseil, il faut apprendre d'abord les médias, il faut apprendre. Tu sais que même si vous n'êtes pas parti à l'école pour ça, mais il y a toujours beaucoup de manières où il faut apprendre, c'est-à-dire approcher les aînés et leur demander un peu, dites-nous un peu comment vous avez commencé. Pour El Bisoto Bandaki Media Nambokoyo, le terrain était informe et vide. Tu peux s'en forme. Donc, tu as un monument à Masolongo. Donc, plusieurs années, parce que depuis 2001-2002, Erwana, je ne sais pas, Yozala Kiwapi, toi qui me suis maintenant, tu étais où, je ne sais pas, mais nous avons frayé le chemin pour Oyakokuta, Oyokotilelo. Donc, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Erba Josepe Baye, un garçon intelligent, il a continué ce que nous avons commencé. Ce n'était pas aussi facile pour lui. Lelo Ozoloulaye, mais c'est parce qu'il a mis de la discipline. Ça, c'est le deuxième point. Après avoir appris, tu dois mettre la discipline dans Moussala. Ne compare pas le média n'a pas compte à rendre. Le média n'est pas le compte à rendre. Le média, c'est l'information, c'est l'éducation et la formation. J'insiste beaucoup sur les trois là. Information, éducation et formation. Ce n'est pas un endroit de querelle.
ça sonne mal aux oreilles. Tu apprends qu'il va toi média baso finga na baso na ça c'est wana bolongoli biso ba peta média biso ba to tangela bino média to kenda banchik et tozo ka biloko wana c'est la honte pour nous. Ne faites pas ça, please. C'est comme on dit dans le catch, ne faites pas ça à la maison, ne faites pas ça dans le média ici. Troisième point, respectez les autres. Les aînés existent. Ata soki olobaka ba bete lokoma boko ba aîné baza po soki boluwa oyo osakani naye alobi ah na lobe lokote me na kangilo la pona yo wo mona soso clair te na musala oyo okokemba okemba. Il faut respecter les aînés, ceux qui ont commencé, leur reconnaître leur place. Et le dernier point, c'est aimer ce travail. Il faut aimer. Si tu as l'amour pour le média, ok liboso, pour monter à forcer yo, parce qu'il y en a qui ont le média dans le sang, qui s'y mettent et qui réussissent. Il y en a qui doivent passer à l'école pour apprendre. Vous comprenez un peu ça. Donc voilà, il faut aimer. C'est ça le 5 points, 5 conseils à copé ça. Nabato bazolinga kokota na musala media oyo et ezakape na ba na ba réalité na ngondima ba réalité wana. Papa boss. Yo so bomanga na masolo, bomanga na masolo yo. Mais ce que j'aime chez toi, tu as très bien structuré ton speech avec moi, donc tout était bien structuré et je ne sens pas que j'ai laissé une page dans l'obélité. Tout est dit parce que yone au créé ma mituna. Voilà, merci beaucoup. Là. Merci beaucoup papa boss, ça va de télé. Na minute na nyango tali pena liboso bo malgré l'expérience aux anango, azo lengi sa yo. So na tali muto penza ta zani jeune mais ton ta zani pa quand même. Ah, azo pesa nga susu, azo boost nga na continuer toujours comme ça. Non non, la réponse est claire. Oyo sa dosa la media na mboko oyo azo bangi sanga fort a bangi sanga parce que mutu to azo sa la media azana moi eloko na ye oyo ngai na kopiaka. Je me dis non, ça c'est bon, je prends. Ce qui n'est pas bon, je ne prends pas. C'est-à-dire vous existez et nous existons. C'est-à-dire ngai na banga ka mutu sa la media parce que azana ba qualité na ye na ba talent na ye et beaucoup de respect. Donc na banga ka mutu nyoso sans commentaire. Très ravi de partager le podium ou le plateau avec papa boss Bangi là. Sauf que ça il est moko oyo otangi au pessimer moko mbote moi mbale belé to misatu na Belgique nani wana kapa. Mama Francine Ngembe la coordinatrice ya Congo Dialogue tiko lo baboye. Oh yente na la patronne apena la patronne mtasimbi masola Congo Dialogue. Donc à son bien. Kitoko. Mama Francine. Francine Ngembe. Mama Francine Ngembe babio sola bien mais ngayote. Facebook Francine Ngembe kaka wana na penaza na pesi ngana zali kambuti na kanga banzela ote papa boss pesa na mwa $200 avana connecte na coordinatrice na pesi tenga na bongo te asola bien asola ka pesa bien. Bon ça va na lukono na Facebook to sololi et puis na mona soki osola ka bien place ozali ba respect belé to yo kaka site et puis ba tuneti bango so bazana kati ya masolo c'est que c'est bon. Encore une fois, ma Francine, félicitations, coup de chapeau et Nzamba Pesayo sur ma kasi. Yako kama masolo ngodenge zokende. Merci beaucoup. Papa Boss, salutations, un message de la fin à ceux qui vous suivent et ceux qui vous aiment. Votre programme, j'ai un bique yo, n'est dans ce que après tout le Mamba Mozo, à Jobou, après Jobou, 4h sur 8h. N'est pas de vol, n'est pas préparé avant 2-3 mois. Message de la fin, Isaac Mokote. Attention, ton petit gauche, ton petit droite. Jésus revient bientôt. Parce que nous ne savons pas. Voilà, c'était un réel plaisir de partager le plateau avec mon grand, mon Kouloutou, Nakatia Media, Maman Francine Ngembe, hein, coach. Dans nous, c'est pour la mission de la Tozoko yiba pe tozo zwa tozo yekola jusqu'à chaque jour. Chaque fois que nazo moné na RTNC, nazo moné na stage pour nous présenter ba grand concert na villa wa na vanda pena nazo yokabi. Eh, il faut na bende lo mo pour y accès sous en plus. C'était vraiment un réel plaisir. Si vous avez aimé cette émission, dis grand merci à maman Francine Ngembe de la Belgique. Grand merci na yo encore une fois papa boss. Merci Josué Bouba. Yondo réaliser émission concevoir en haut réaliser na présenter. Yondo salinga chiko na écran na yo. Yondo salinga. Yebi ke no salinga. Ya solo hein. Ah oui, biko salinga. Donc il peut singa plaisir que no ba salinga pas Josué. A salinga. Donc na remercier magasi. Donc à minga niveau mususu mo boy. No bisika na yebaki na ba maman Francine télé lo boy Francine na yebinga. Grâce na yo. Alors, salinga. Voilà. Nous sommes à la fin. Grand merci. YouTube, c'est Congo Dialogue. Abonnez-vous massivement pour plus d'informations. Facebook, c'est Josué Bolois. Merci à maman Rose Baka.
papa, maman est aux États-Unis. Les sosos. Musicienne, on a donc à jouer un moto moko, tu n'as pas l'idée. Tu connais le baboui. Donc, on va balancer que nous avons six émissions. Tu as peine El Picasso, Pierrot. Maman a bossé dans la Belgique. Tu connais le baboui. El Picasso, Pierrot. Sont allés jeunes, on a à la taga ba griffe. Azoya kala mingi te na Afrique du Sud pona vendre sa maison na epena ya kuti. Sikoba tongo ndingo zolobela bango boyi. Ba sepisa ka opeto olobika isili batalyo ka boyi. Papa bosnga bina landaka yo. Yo tongo sala ka emisi na concert otanga bitanga tangate. C'est que ça va. C'est que ça va. Donc El Picasso donc soki El Nini. El Picasso Piero. El Picasso Piero donc soka ye pona yo okoluka ngapeto mona na naye. Papa moninga ngana na commission te na landaka yo. El Picasso, Piero na Facebook ozoye. El Picasso bambote yango yo, donc toze la arrivé nao. Alors tout monde a pété makamoko legaka. Soko solo li bien na biso. Oh El Picasso, mais yo ko comprendre. Toi na masolo na maboko sans commentaire. Yo mo vivre ngo. Déjà monument yé yo, monument yé yo. Yo traité na yé déjà bien. Voilà, il me baptise toujours le monument de la presse. Voilà. Congolaise na kati Afrique du Sud, des ans ngaté na mibenga, ngaza na international, mais ba grand bazo baptiser biso le monument de la presse par rapport à ce que nous faisons. Vraiment notre téléphone est toujours ouvert à vous tous. Un grand merci par rapport à ce que nous avons parlé. Vos moni parcours il y a papa boss à la lita la muka simbi micro, il a quand même un parcours azana mabonde la landi, a pesi biso moi un conseil. O yonga na bando beta ko play yango chaque jour. So atena lançon na YouTube na ndotala ngona yo kango chaque jour pour evandi sa biso. Yondo link yo ka te ngo sambrier. Alingo yo katé. Et pas du pé micro comme ça insulte. Oh. Alingo yo katé. Pose à la branche connectée. Jusqu'à un prochain numéro. Merci à vous.